cette nouvelle vidéo, donc All Action. J'y suis allée avec ma belle-sœur, on vient tout juste de rentrer. Il fait genre une chaleur de fou malade dehors, il doit faire dans les faciles 30 degrés. Hein. Oui. Ouais. Il fait facile 30 degrés, donc je brille un petit peu, on s'en fout. Comme d'habitude, je vous mets les prix sur l'écran. Et j'ai gardé le ticket cette fois-ci. Donc on commence sans plus tarder. Alors là, au rayon promotion, il y avait les produits Dove. Il me refallait du déodorant, donc j'en ai profité. Par contre, ceux-là, je ne les ai jamais testés. Donc dites-moi en commentaire s'ils sont bien. Voilà, ceux-là. Donc j'en ai pris un, c'est Talco. 0% d'alcool, antiperspirant, antitranspirant. J'adore les déodorants Dove, justement parce qu'ils sont antiperspirants. Ils ont une action antitranspirante de fou. Enfin, pour moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ce déodorant-là. Et j'ai pris le sensitif. Ouais, c'est ça. Ouais, le sensitif, 48 heures, machin. Voilà, voilà. Ensuite, pour continuer dans la marque Dove, il y avait également en promotion les mousses de douche. Que je voulais tester depuis un petit moment. Donc là, j'ai pris celui à la pistache et au magnolia et celui à l'aloe vera et à la poire. Ça doit être des odeurs de fou malade. C'est des contenances de 200 ml, donc soit le contenance d'un gel douche classique. Il me semble que oui, c'est 200 ml. Donc du coup, je teste et je vous en dirai des nouvelles. Au rayon, un peu lessive, machin, j'ai pris ceci, j'ai repris cela, mais c'est pas pour moi, c'est pour ma copine Laura. Donc chaton, si tu vois cette vidéo, il est pour toi, voilà, je te l'ai pris. Donc elle voulait le tester, et franchement, moi j'aime beaucoup, c'est pas, je vous avais déjà montré dans une de mes vidéos, ça sent super bon. Et en fait, moi je mets ça quand je lave mon linge, enfin mon linge, oui, ça va de soi que je lave mon linge. J'utilise ça quand je lave mes couettes, mes draps, mes serviettes de bain, tout ce qui est linge de maison parce que du coup l'odeur reste très longtemps. Donc je suis plutôt contente et ça coûte moins cher que les Bilénor. Ensuite, j'ai pris pour ma petite puce, pour mettre sur sa table à langer, une serviette de toilette comme ceci, rose poudrée. Voilà, voilà, il m'en fallait une. Action, c'est l'endroit idéal pour acheter des serviettes de toilette pour pas trop cher. Et il y a Pistache qui vient de me faire peur. Pistache, tu veux venir dans la vidéo? Hein? Parce qu'il va vouloir certainement, comme d'habitude. Hein. Enfin bref, on continue. Donc ensuite, ma belle-sœur a pris pour elle... Ah mais du coup, je sais pas combien... Tu te souviens des prix ou pas de tête? Parce qu'elle va me demander peut-être les prix. 2 euros et quelques. Donc ma belle-sœur a pris ce petit maillot de bain tout mignon. D'ailleurs, les couleurs, ça me fait penser à la marque Tommy Hilfiger. Donc, pour Enzo. Voilà, comme ça, il aura un petit maillot de bain, mon petit chouchou. Elle est partie voir, du coup, le prix. Comme ça, je vais pouvoir vous le dire. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, vous le voyez à chaque fois dans mes hauls actions, mais je me suis repris une recharge Airwick. C'est quelle odeur, lila, ouais, lila blanc, linge prêt. Mais celui-là, c'est mon préféré parce que ça sent le propre. D'ailleurs, je sais pas d'où ça sort cette expression, ça sent le propre. Quand on dit ça sent le propre, ça sent le savon, quoi. Ça sent le... Ouais, ça sent le propre. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai repris... de la pâte à fixe. Parce que l'anniversaire de Lila arrivant très vite, il va m'en falloir pour accrocher toutes les décos. Ensuite, j'ai repris et j'espère que cette fois-ci, ce sera le bon. J'ai racheté un câble de chargeur pour iPhone pour mon homme. J'en avais déjà acheté un, mais ça n'a pas fait long feu. Peut-être que c'est ceux d'Action qui ne sont pas terribles, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez testé. Donc, j'espère que celui-là, il fera l'affaire. Oui. 2,96. Alors, le maillot de bain, 2,96. Garde ton ticket parce qu'il y a d'autres choses que tu as pris pour les loulous. Donc, bah tiens, on va le dinosaure. Donc ensuite, elle m'a pris, enfin elle m'a pris, ma belle-sœur a pris pour Enzo, parce qu'il adore les dinosaures, mais je crois que je vous l'avais déjà dit aussi, un super gros dinosaure comme ça, c'est un tyrannosaure je crois, enfin bref, je ne m'y connais pas, bref, un dinosaure, et elle l'a payé 2,99€, mais il est grand, hein. Enfin je ne sais pas si vous voyez, mais ouais, il est grand. Ensuite, pour ma nénette, elle a pris, je continue avec ce qu'elle a acheté, parce que du coup, comme elle est là, j'ai les prix. Elle a pris pour ma petite nanette pour son anniversaire, donc je ne vais pas lui donner de suite. Je lui donne de suite, non je lui donne pas de suite, je l'emballe et elle le déballera pour son anniv.
Donc c'est un an. Moi j'en ai pris un autre, donc je vous le montre juste après. Donc elle a pris celui-ci. En fait c'est un petit kit, ça va être genre sa première dinette, vous voyez, où elle peut faire ses petites glaces, voilà, c'est mignon tout plein. Et donc ça elle l'a payé, elle cherche. Toi tu pisses fort, pistache. 2 euros et quelques, je crois. 2,99 ? Non, 2,99. Ouais. Donc, c'était 2,99 €. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, j'en ai pris un deuxième parce qu'il y avait deux choix. Moi, je lui ai pris le 11 pièces qui était pareil au même prix pour 2,99 €. Voilà. Et en fait, ça se complète. Vous voyez ? Du coup, elle a de quoi faire, ma petite puce. Et au toucher, parce que je me méfie maintenant à Action. Des fois, ça m'est arrivé d'acheter des trucs comme ça. Et au final, le plastique, il est tout... C'est un plastique qui se plie facilement et c'est de la merde. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Mais là, à travers, en appuyant, vous sentez que c'est un plastique très dur. Donc, aucun problème. Après, il n'y a pas de petites pièces... bon après il faut toujours faire attention hein, ça va de soi, mais il n'y a pas de petites pièces qui se détachent, donc pas de risque d'étouffement. Et donc bah voilà, elle va être contente. Pour continuer dans les jouets, j'ai craqué. Tu peux m'apporter un ciseau s'il te plaît? J'ai acheté ça, c'est trop mignon. J'ai acheté ça pour ma petite poupounette, pareil, pour son anniversaire. Enfin non, pas pour son anniversaire, je vais lui donner maintenant. Je ne vais pas pouvoir attendre. De toute façon, on va avoir plein de choses pour son anniversaire. Donc, ça, c'est pour son anniversaire. C'est pour son anniversaire. Oh ! Donc, ça, je vais lui donner maintenant. Et en fait, merci. Hop ! C'est une petite boîte comme ça. Une petite caisse de transport. Et quand vous ouvrez, il y a... Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une petite licorne. Regardez. Est-ce que c'est pas trop chou, quoi? C'est trop mignon, clairement. Mais moi, je craque pour ces conneries-là, en fait. Hein. Je vous explique. Ma belle-sœur, elle en a marre de moi, elle sait. Hein, parce que moindre petit truc comme ça, je craque. Mais c'est trop mignon! Non, mais sérieusement, regarde. Voilà. Donc, elle a sa petite caisse de transport avec sa petite licorne. Wally Wallou! Ensuite, j'ai pris toujours pour ma petite puce. Connaisseuses sauront pourquoi je fais ça. Je plaisante. Je vais peut-être essayer de faire de l'ASMR. Vous connaissez l'ASMR ou pas? Tu connais toi l'ASMR? J'en avais parlé. Ben, tous les soirs, depuis que j'ai découvert l'ASMR, je m'endors avec de l'ASMR. Je vous promets. Et ça marche trop bien sur moi. Hein. Vraiment. Et une fois, j'ai dit à mon homme, je lui ai dit, hey, je me lancerais bien à tester une vidéo comme ça, faire juste comme ça pour le fun, une vidéo ASMR. Ah, il s'est moqué de moi. Il m'a dit, tu te vois parler comme ça tout doucement à la caméra. Bah je dis oui, si ça détend les filles, pourquoi pas. Dites-moi en commentaire pour le fun, si vous voulez que je tente une vidéo ASMR, ça pourrait être drôle. Moi j'adore ça. Bref, du coup j'ai pris, revenons à nos moutons. Une petite balle comme ça pour ma petite puce avec des petites paillettes dedans et un papillon. Voilà, voilà. J'ai acheté ceci pour ma nièce, ma petite filleule, qui va bientôt naître. Enfin, bientôt naître. Tout est relatif. Ma belle-sœur est enceinte et elle accouche au mois de septembre. Mais elle est déjà genre comme ça. Donc forcément, tout le monde lui demande si elle n'est pas sur le point d'accoucher. Donc... Alors du coup... Ben voilà, j'ai pris pour ma petite nanette, parce que ça sera ma nanette 2, forcément, des petits langes pour elle, voilà, qu'elle pourra ramener à la maternité. Ensuite, j'ai pris pour ma nanette 1, pour Lila, j'ai pris une petite pochette comme ça, enfin c'est pas pour elle, hein, c'est pour moi réorganiser, juste pour mettre, parce qu'en fait j'ai une boîte où je range tous ses bandeaux et ses barrettes et ses élastiques, mais en fait j'ai acheté ça exprès pour mettre que les élastiques et les petites barrettes, parce que quand c'est mélangé tout avec les bandeaux, pour rechercher c'est trop chiant, donc voilà. Mais bon, vous savez pourquoi j'ai craqué dessus, hein? Bah oui, hein. C'est rose avec des paillettes. Je suis faible, je suis faible. Voilà.
Ensuite, j'ai pris pour l'anniversaire de Lila, je vous avais expliqué, je fais un candy bar. Je vais vlogger ce jour-là, donc je vais tout vous montrer. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer la déco, la table et ce qu'il y aura sur la table. Et j'ai acheté ceci, sachant que j'ai déjà acheté une autre partie de la vaisselle, mais je vous avais dit que j'avais déjà acheté pas mal de déco, mais que je ne vous l'avais pas forcément filmé. Mais à Action, j'ai acheté beaucoup de vaisselle de ce style-là. Donc c'est de la vaisselle en bambou, ils appellent ça. Et j'avais pris des bols, des assiettes, il me semble. Et je sais plus trop quoi. De toute façon, vous le verrez dans le vlog anniversaire de Lila. Et en fait, j'ai pris ceci, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pensé à tout simplement faire des petits accompagnements crudités. Donc, faire des bâtonnets concombres, tomates, non. Concombres, des choux-fleurs, des carottes. Bref, toutes ces choses-là. Des petites tomates cerises et tout. Et au-dessus, et là au centre, mettre une sauce au yaourt avec ciboulette, échalote, machin. Si vous voulez, je vous filmerai tout ça. Mais du coup, en guise de présentation, j'ai trouvé ça sympa et ça allait surtout, la couleur allait dans le thème de sa déco. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris pour mon homme, j'ai pris un petit porte-monnaie. C'est pas un porte-monnaie, un mini portefeuille quoi. Comme ceci, hop, il s'ouvre ou pas? Ouais, en fait là vous avez, voilà. Parce qu'il me saoule, parce qu'il a tout le temps ses papiers qui traînent à droite à gauche. Après, il me dit, elle est où ma carte bleue? Elle est où ma carte d'identité? Elle est où machin? Bah là, au moins, il met tout là-dedans et il me casse plus les pieds. Voilà. Ensuite, j'ai repris, parce que ça coûte pas cher, je crois que c'est dans les 50 centimes et quelques. C'est vraiment un prix imbattable, parce que dans les magasins, vous ne les trouvez pas à ce prix-là. J'ai repris des cotons-tiges pour les loulous. Ensuite, pour terminer l'avant-dernier article, j'ai repris un débardeur. Classique, tout noir, en taille, j'ai pris quelle taille? M, voilà. Voilà, voilà. Et l'article final, pour terminer, j'ai acheté, oui, c'était dans une pochette comme ça, parce que forcément, les gens, ils font pas attention, ils en ont rien à foutre. Ils retirent ça des emballages pour voir en vrai, genre, comment ça taille, et puis ils laissent ça comme ça en plan. Donc du coup, ben, les vendeurs, ils sont obligés de remettre ça dans des pochons avec les références et tout pour la caisse. Enfin bref, j'ai raconté ma vie, on s'en fout. J'ai trouvé un petit pantalon comme ça, style un peu sarouel. Mais moi j'adore quoi, j'aime trop. Donc très très élastique. Hop, il se présente comme ceci. Donc là vous voyez, il y a un petit lacet là. Voilà. Et en fait en dessous, c'est resserré avec un élastique. Vous voyez. Mais ça c'est le genre de truc que je kiffe porter en été, parce que c'est fluide, c'est léger. Et puis ça avec un petit débardeur, des petites claquettes, nickel. Mais écoutez, je vous ai tout montré. Ouais, j'ai tout montré. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez... Non, ça se dit pas. Que vous auriez... Non, que vous... J'espère que vous avez bien rigolé. Voilà, je vais y arriver. Et puis, de toute façon, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je sais pas comment je vais m'organiser pour l'anniversaire de Lila. Je vais voir. Je ferai en fonction d'eux. On verra bien sur le moment venu. Voilà, parce que si ça vous intéresse aussi les cadeaux qu'elle a reçus, mettez-le moi en commentaire. Ça peut donner des... En fait, moi je dis ça, c'est pas pour faire une vidéo pour montrer ce qu'elle a eu, pour m'afficher. C'est parce que je sais qu'il y a... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont des petites filles à peu près du même âge de Lila, ou qui sont sur le point d'accoucher ou quoi. Et ça peut donner des idées parfois aux mamans qui savent pas quoi acheter pour les 1 an, que ce soit de la nièce, de leur propre fille, la cousine ou machin. Voilà, ça peut donner des idées. Si vous êtes intéressé pour ce que Lila aura reçu à son anniversaire, mettez-le moi en commentaire. Et à savoir que à son anniversaire, si tout se passe bien, normalement, il y aura Belma qui sera là, puisque, bah, comme vous le savez, c'est la marraine. Donc, je pense que Belma vloguera aussi, je sais pas trop, on verra bien. Donc, voilà, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Bye bye!